Nous sommes le 15 octobre, mardi de la 28e semaine du temps ordinaire. L'Église fête Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, décédé en 1582, et Saint Cana, évêque de Marseille, décédé en 487. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, 11,37-41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia.